Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Cette fois, avant de commencer, je suis obligé de vous faire une petite remarque. Vous savez, je crois que c'est la dernière que j'ai faite, ou l'avant-dernière, celle avec la résine et l'époxy. Effectivement, je vous avais dit que c'était la plus belle à aller jusqu'à ce moment que j'avais fait et que j'avais vu. Je suis obligé de vous dire qu'après de l'avoir observée comme il faut et minutieusement, je trouve en fait que, vous savez, il y a quelque chose à dire comme « trop, c'est comme pas assez ». Je pense que oui, il y a des milliers de détails qui sont quand même intéressants. Mais je trouve justement que c'est un petit peu trop de détails. Elle n'est pas, comment je dirais ça, elle n'est pas raffinée. Les détails ne sont pas vraiment détaillés. C'est comme je vous dis, là, il y en a des milliers de détails. On pourrait prendre une loupe et puis regarder, puis ça serait un peu comme regarder dans l'espace. Fait que oui, sur ce point de vue-là, c'est intéressant, mais comme je vous dis, trop c'est comme pas assez, et puis soit dit en passant, là, comme vous voyez, je l'ai verni. Alors, je pense qu'encore une fois, verni est encore plus belle, mais je pense que je vais revenir à ce que je vous dis là, vous allez me dire, ça fait deux fois que je change d'opinion, mais bon, on a le droit, hein. Je suis obligé de vous dire qu'encore une fois, je crois qu'avec la colle blanche, ça demande ma préférée. Pas d'une grande longueur, là, mais ça demeure ma préférée, quoi qu'il en soit. Cette fois, ce qu'on va faire, oui, avec de la colle blanche, on va se gâter un petit peu, mais là, on va mélanger de la colle blanche et du silicone. Je pense que ça peut être intéressant parce que les deux ont des particularités différentes. C'est-à-dire que le silicone fait des cellules très définies, la colle blanche aussi, mais le silicone, pour moi, fait des plus grosses cellules. Et la colle blanche fait des plus petites cellules, mais plus définies, plus nombreuses. Alors, on va voir ce que ça donne. J'ai hâte de voir ça, alors allons-y maintenant. We'll be right back.
pas bien un autre de terminé. Je suis obligé de vous dire que, hein, on la voit là, quand même pas si mal. Mais je suis obligé de vous dire que la différence n'est pas énorme. La différence par rapport à, disons, juste le silicone ou juste la colle blanche n'est pas énorme. Elle n'est vraiment pas énorme. Personnellement, je pense que j'aime encore mieux seulement qu'avec la colle blanche, malgré que les détails sont quand même bien, beaucoup moins qu'avec, exemple, la résine, mais quand même un beau détail, plus fluide, je devrais dire. Et puis, les cellules sont plus comme cassées, mais avec plus de détails autour, plus détaillé. Écoutez, question de goût, encore une fois. Comme je dis, c'est... Écoutez, je suis pas sûr que je le referais, par contre. Je pense que, encore une fois, j'aime mieux la colle blanche, mais comme je disais, les détails sont plus fins autour des cellules. C'est plus cassé, mais plus... disons que les cellules sont moins définies, mais il y a plus de détails autour. Encore une fois, là, vous le voyez présentement une fois sec, mais là, moi, au moment où je vous parle, elle travaille, est en train de changer définitivement, elle change d'aspect au fur et à mesure que je vous parle. Alors, j'ai hâte de voir le produit fini, ce que ça va donner. C'est sûr qu'il y a des cellules qui apparaissent. Oui, j'aurais pu la brûler pour donner plus de cellules, mais je voulais vraiment voir ce qui était pour arriver avec notre silicone et notre colle blanche mélangée. Je vous le dis, là, j'ai pas le fini, là. Je trouve ça bien. Je trouve que c'est une autre particularité. Peut-être que ça serait intéressant de faire cette même technique ou ce même mélange sur une grosse toile, puis faire un coulage fluide comme on a fait aujourd'hui. Je pense que ça serait intéressant. Mais personnellement, je pense que la prochaine qu'on va essayer, c'est vraiment avec la colle blanche, mais sur une grosse toile. On va voir, là, j'ai encore plein d'idées, là, fait qu'on va essayer toutes sortes de choses. Ça commence, là, j'empile, hein. J'empile les toiles, là. Là, ça commence à déborder. Je pense que je vais être obligé de louer une entrepôt. Alors, là-dessus, je vous remercie encore une fois d'être venu voir une vidéo. J'espère que, comme toujours, vous appréciez. J'espère que vous allez vous abonner, vous allez partager et laisser un commentaire. C'est toujours apprécié. Attention à vous.